Dans ce jeu, je lui ai présenté la députation représentant. Elle venait le remercier de son dévouement à la cause nationale, la pièce et les documents qui ont produit une si grande sensation et amené les grands événements d'aujourd'hui sont, dit-on, des communications régulières de Messieurs Fouché et Metternich, dans lesquelles ce dernier garantit Napoléon II à la régence si l'empereur veut abdiquer. Ces communications se seraient entretenues depuis longtemps à l'insu de Napoléon. Il faut que Monsieur Fouché ait un furieux penchant aux opérations clandestines. On sait que sa première disgrâce, il y a quelques années, vint d'avoir entamé de son chef de négociation avec l'Angleterre, sans que l'empereur en sût rien. Dans les grandes circonstances, il a toujours eu quelque chose d'oblique. Vu que ses actes ténébreux aujourd'hui ne deviennent pas funestes à la patrie. Jeudi 22, je revins passer quelques heures chez moi, dans ce jour on présentait la députation de la Chambre des Pairs. Le soir, on avait déjà nommé une portion du gouvernement provisoire, Messieurs de Caulaincourt et Fouché, qui étaient du nombre, se trouvaient au milieu de nous. Un salon de service, nous en faisant compliment en première, ce qui n'était à vrai que nous féliciter pour la chose publique. Il ne sut a répondu que par de l'effroi. Nous applaudissons, disions nous. Un choix déjà connu, il est sûr, a dit Fouché d'un ton léger que moi, je ne suis pas suspect. Si vous l'aviez été, répondit assez brutalement le représentant, boulet de la meurtre, qui se trouvait là, croyez que nous ne vous aurions pas nommé. Vendredi 23, samedi 24. Les acclamations et l'intérêt du dehors continuant à l'Élysée, je présente le gouvernement provisoire à l'empereur qui, en le congédiant, le fait reconduire par le duc de Ré. Les frères de l'empereur, Joseph, Lucien et Jérôme, sont introduits plusieurs fois dans le jeu, s'entretenant longtemps avec lui. Cependant, une nombreuse population s'agglomérait tous les soirs autour de l'Élysée. Elle est toujours croissante. Ces acclamations sont intérêts pour l'empereur donné. Les inquiétudes à factions opposées, la fermentation de la capitale extrême. L'empereur résolut de s'éloigner le lendemain, dimanche 25. J'accompagne l'empereur qui se rend à la maison. Elle lui demande à ne pas le quitter dans ses destinées nouvelles. Ma proposition semble l'étonner. Je ne lui étais encore connu que pour mes emplois. Il l'agrée. Ma femme vient me trouver et le pénétrer mes intentions. Il devient délicat de les lui avouer et difficile de la convaincre. Cher ami, lui dis-je, en m'abandonnant au devoir dont mon cœur se trouve plein, j'ai la consolation de ne pas heurter tes intérêts. Si Napoléon doit nous gouverner, je te lasse des grands titres auprès de lui. Si le ciel en ordonne autrement, je t'aurai ménagé en asile bien glorieux. Un homme honoré de quelque estime, dans tous les cas, nous nous retrouverons, ne fût-ce que dans un
meilleur monde. Après des pleurs et des reproches même qui ne deviennent m'être que doux, elle se rend, me fait promettre qu'elle pourra venir me joindre bientôt. Et dès cet instant, je ne trouve plus en elle que l'exaltation, le courage qui me fallut. Si j'en eusse le besoin. Mardi 27, je fais un moment à Paris avec le ministre de la Marine venu à la maison au sujet des frégates destinées à l'empereur. Il me lit les instructions que leur envoie, me dit que l'empereur compte sur moi, qu'il me mène. Il me promet de soigner ma femme dans la crise qui se prépare. Napoléon III est proclamé par la législature. J'envoie chercher mon fils à son lycée, résolu de l'amener. Avec moi, nous faisons un très petit paquet de linge et de vêtements et retournons à la maison. Ma femme nous y accompagne et revient le soir même. La route commençait à être difficile et inquiétante. L'ennemi approchait, mercredi 28. Je voulais revoir ma femme encore quelques instants. La duchesse de Rovigo me conduisit ainsi que mon fils à Paris. J'ai trouvé chez moi Messieurs de Vurtillac et de Quitry. Ce sont les derniers amis que j'ai embrassés. Ils étaient des vieilles. L'agitation, l'incertitude devenaient extrêmes dans Paris. L'ennemi était à la porte. En arrivant à la maison, nous vîmes les ponts des châteaux en flammes. On plaçait les postes autour de la maison. Il devenait prudent de s'écarter. J'entrai chez l'empereur, je lui peignis ce qui m'avait paru la capitale. Je lui rendis l'opinion générale que Fouché trahissait effrontément la cause nationale, que l'espoir des bons Français était que lui, Napoléon, se jetterait cette nuit même dans l'armée qui le demandait. L'empereur me coûta d'un air pensif et me congédia sans rien dire. Jeudi 29, vendredi 30. Toute la matinée, le grand chemin de Saint-Germain ne cessait de retentir au loin des cris de « Vive l'empereur !» C'étaient les troupes qui passaient sous les murailles de la maison. Vers le milieu du jour, le général Becker, envoyé par le gouvernement provisoire, nous est arrivé. Il nous a dit, avec une espèce d'indignation, avoir reçu la commission de garder Napoléon et de le surveiller. Le sentiment le plus bas avait dicté ce choix. Fouché savait que le général Becker avait personnellement à se plaindre de l'empereur et il ne doutait pas de trouver en lui un cœur aigri et disposé à la vengeance. On ne pouvait se tromper plus grossièrement. Ce général ne cessa de montrer un respect et un dévouement qui honoraient son caractère. Cependant, le moment devenant pressant, l'empereur, sur le point de partir, envoie, offrir par le général Becker lui-même au gouvernement provisoire de marcher comme simple citoyen à la tête des troupes. Il promettait de repousser Blücher et de continuer aussitôt sa route. Sous le refus du gouvernement provisoire, nous quittons la maison. L'empereur et une partie de sa suite prenant la route de Rochefort par Tours. Moi, mon fils, Monsieur de Montalon, Planard et Signy, nous prenons peu pas au Lyon. Ainsi que deux ou trois autres voitures de suite. Nous arrivons à Orléans à 30 au matin et vers minuit à Châtellerault.
Samedi 1er juillet, dimanche 2, nous traversons les monts le 1er juillet vers 4 heures du soir. Nous dînons à la Rochefoucauld le 12. Et arrivons à 7 heures à Jarnac où nous couchons. La mauvaise volonté du maître de poste nous forçant d'y passer la nuit. Lundi 3. Nous ne pouvons nous remettre en route qu'à 5 heures du matin. La méchanceté du maître de poste qui, non content de nous avoir retenus la nuit, employa des moyens secrets pour nous retenir, encore fait que nous sommes contraintes de gagner presque à pas le relais de Cognac. Où les maîtres de poste et les spectateurs nous témoignons des sentiments bien différents. Il nous était aisé de juger que notre passage causait beaucoup d'agitation en sens divers. En éteignant sainte vers les 11 heures du matin, nous avons failli tomber victimes d'une insurrection populaire en garde du corps, nous attendit, natif du lieu. Avait dressé cette embûche et organisé notre massacre. Nous sommes arrêtés par la populace, garantis par la garde nationale, mais menés prisonniers dans une auberge. Nous importions, disait-on, les trésors de l'État. Nous étions des scélérats dont la mort seule pouvait faire justice. Ce qui se prétendait la classe distinguée de la ville. Les femmes, surtout, se montreront les plus ardentes pour notre supplice.